Enfin, allez, Switch Discovery épisode 5, on va tester ça les amis. Et salut à toutes et à tous, c'est Cubic, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel aujourd'hui les amis, on se retrouve sur l'épisode 5 de Switch Discovery sur Pokémon Let's Go Pikachu. Ah, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver là-dessus les amis, ça fait deux ans que j'attends ce jeu les amis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire ce jeu. Oui, donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Plusieurs choses les amis, donc, dans un premier temps les amis, il va y avoir le jeune Lucas qui va arriver dans quelques secondes, il arrive, il est en bas de chez moi, il va arriver, on va lui envoyer un petit oui par texto pour qu'il monte, tout simplement. Et aujourd'hui on va jouer à Pokémon Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, enfin Let's Go Pikachu plutôt. Et les amis, j'avais vraiment envie de faire quelque chose, ça fait 2 ans que j'attends ce Pokémon. Enfin il est là, et du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire ce jeu en anglais. Pourquoi en anglais les amis me diriez-vous? Parce que j'ai vraiment envie d'être masochiste et de galérer, parce que mon niveau en anglais est vraiment nul. Et en plus ça rajoutera de la galère à cette vidéo, ça rajoutera du fun, ça va être stylé. Et en plus j'ai vraiment envie d'améliorer mon anglais. Donc jouer à des jeux en anglais, regarder des séries en anglais, franchement les amis c'est top. Et franchement j'ai grave le goût de me faire ça. Du coup les amis c'est parti. C'est parti, on va lancer ce jeu, tac, English, c'est parti les amis, commencez, boum. Et bah c'est parti pour une cinématique, je crois que je vais arrêter de parler, enfin je ne sais pas. Bah c'est parti, allez go. Hello there, glad to meet you. Ok, enchanté de te rencontrer, bienvenue dans le monde des Pokémon, mon nom est Shen, les gens m'appellent plus communément sous le nom de Professeur Pokémon. Un petit au soleil. Ce monde est habité par des créatures nommées les Pokémon. And ça va trop vite. Some people, donc certains gens, certaines personnes ont comme compagnon Pokémon. Et de mon côté, j'étudie, étudier les Pokémon est ma profession. Maintenant, tu ne m'as pas parlé de toi. Donc parle-moi un peu de toi. Logique, c'est parti. What do you look like? À quoi tu ressembles? Donc les amis, franchement je suis un puriste de Pokémon. Enfin je suis pas un puriste pur, mais franchement on va être puriste sur ça. On va franchement rester sur le skin de base de Red. Donc clairement boum, parce que j'ai beaucoup joué à Pokémon jaune les amis. 10 ans après les amis, 10 ans après, on se retrouve sur Pokémon. Et ça, ça fait plaisir de ouf. Voilà. Donc quel est ton nom? Eh ben les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Logan, voilà, avec une petite voix de gamin. Les amis, franchement, ça fait 10 ans, enfin, ça fait plus de 10 ans que je joue à Pokémon. J'avais vraiment envie de retourner en enfance et de rêver avec ce jeu. Peut-être que certains, c'est totalement critiquable et certains me traiteront de gamin, mais j'assume totalement. Et aujourd'hui, j'ai envie de rêver en votre compagnie, les amis, et si vous êtes là, c'est sûrement que vous avez envie de rêver avec moi. Bien, donc, ton nom est Logan, oui. Le petit Pikachu, fort sympathique. Donc, décidément, c'est le rival. Ce garçon est ton ami et ton rival. Il a grandi avec toi, à côté de toi. Enfin, il a grandi à côté de toi. À tes côtés, plutôt. Et quel est son nom? Les amis, le nom du rival, on va le choisir totalement. Quel est le nom du rival? Franchement, les amis, j'avais vraiment envie de l'appeler Lucas. Parce que Lucas est plus qu'un rival. C'est même pas un rival, d'ailleurs. C'est une grande amitié entre nous. Donc voilà, je ne sais pas s'il entend actuellement, il n'est peut-être pas encore rentré. S'il m'entend actuellement, il peut rentrer dans le petit studio, voilà, entre guillemets, qui est ma chambre d'ailleurs. Donc on va l'appeler Lucas, les amis, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est une grande amitié que j'entretiens avec lui. Et du coup, j'avais vraiment envie de l'appeler comme ça. Voilà, c'est parti, on l'appelle comme ça, Lucas, voilà. Oh, il est là, le petit Lucas, il arrive. Vas-y, donc c'est parti. D'ailleurs, les amis, je mange dans 10 minutes, donc on fera une petite ellipse. Il va bien le jeune Lucas? C'est parti. Bon bah, comme je vous l'ai pas dit au début de la vidéo les amis, mais le record a fail, du coup j'ai dû recommencer. Mais du coup c'est parti. On va appeler le rival Lucas, puisque ça sonne bien et c'est le feu. Voilà. Du coup c'est parti, le jeune Lucas est arrivé. Bon, il va pas trop parler, si on peut on testera le mode de joueur, mais je sais pas du tout. Et de toute façon, bah, on va tryhard une fois qu'on aura fini cette vidéo sur ce jeu. Donc, comme tu peux le voir, le jeu est en anglais. C'est un défi que j'avais envie de faire, et en plus, bah,
ça fera un petit up dans mon anglais si je gère pas trop. Je vois, donc son nom est Lucas, le petit Pikachu de qualité qui passe par là. Putain, beaucoup trop stylé en vrai ce jeu. Logan, mon garçon, tu vas découvrir plein de choses, tu as plein de choses à découvrir sur le Pokémon et plein d'aventures et de rêves à vivre. Les Pokémon t'attendent, c'est parti. Beaucoup trop stylé ce petit démarrage. Et la petite musique de lancement de Bourg-Palette avec la petite Nintendo Switch et le Joy-Con gauche bleu. Voilà donc, petite cinématique fort sympathique. Franchement, ils ont grave travaillé sur les modèles 3D et les cinématiques. Les amis, enfin, un jeu Pokémon en 3D, en HD, en tout ce que vous voulez. Enfin, il est là, il est sur Switch, il est beau, il est de toute beauté. C'est parti, on peut se déplacer. Oui, c'est de toute beauté, voilà. Bon, on va éviter de faire trop les gamins pour le moment, même si je suis totalement un gamin devant ces petits plans. Oh non, je voulais pas lancer la cinématique direct, je voulais aller parler au PC avant, parce que oui, vous avez un mail du rival dans le PC au début, parce que oui, j'ai record avant, du coup je l'ai déjà fait, du coup je sais. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, le record a bug, pardon, juste après. J'arrive, je monte et je suis là. Bonjour Logan. Eh, hey, qu'est-ce qui se passe? T'as une tête bizarre aujourd'hui. Je n'ai jamais vu ça. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Du coup, j'ai voulu te rejoindre. Enfin, aujourd'hui est le grand jour. Nous allons enfin avoir notre premier Pokémon donné par le professeur Shen et devenir des réels, enfin des vrais trainers, enfin des vrais dresseurs plutôt. Mais avant cela, tu dois lire, as-tu lu le mail que je t'ai envoyé hier? You better have check sur ton ordi pour si tu ne l'as pas fait. Voilà, on galère un petit peu en anglais, mais ça passe. Allez, c'est parti. I'm gonna book it to Professor Oak Lab, so see you there. Donc c'est parti, il va au labo du professeur et on le retrouve juste après. Voilà. N'hésite pas à parler si t'as des remarques à faire. Rien à dire pour le moment, on contemple comme de gros gamins. Et après, de toute façon, on se fera plaisir sur le jeu après cette vidéo. Tranquillement, on va juste faire le démarrage. Et en plus, on va pas tarder à aller manger. Du coup, il y aura une ellipse malheureusement. Cette vidéo est faite à l'arrache, les amis. Mais on aime l'arrache parfois, on aime découvrir ensemble. Donc, il y a une boîte mail, from Lucas, de Lucas. Salut Logan, so here's what you need to know as a trainer. Donc tu dois savoir à propos des dresseurs. Presse le bouton A pour parler et interagir avec les gens. Et utilise le joystick pour pouvoir courir, voilà. De plus, tu peux ouvrir le menu en pressant le bouton X et tu pourras sauvegarder ta progression. Garçon, I can't wait to get started. Can you, Lucas? Donc, c'est parti. Il ne peut pas attendre pour commencer. Ixo. Voilà, c'est cool. Beaucoup trop bien ce jeu. On va parler à la mère. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Off you go to Professor Oak's lab. Tu dois aller au laboratoire du professeur. Lucas asked the professor to give the two of your Pokémon off your horn, didn't he? Donc je sais même plus ce qu'elle a dit. Bon, c'est pas grave en gros. Lucas a demandé au professeur Shen qu'on ait tous les deux un Pokémon. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Donc il y a un film qui est sur la télé. Donc une scène où nous pouvons retrouver 4 garçons qui marchent down a set of railroad tracks. Donc j'arrive pas à traduire, mais ce n'est pas le temps pour ça. C'est parti pour aller dans le laboratoire du professeur Shen. Mais avant cela, on va visiter un petit peu, parce que bon, toujours visiter. On va faire un petit screen parce que c'est de toute beauté. Voilà, on adore les screens. D'accord, elle nous fait un petit coucou, le petit laboratoire du professeur Shen avec un gros monsieur sympathique. Voilà, donc qu'est-ce que ces gens ont à nous dire? D'ailleurs, est-ce qu'on peut courir? Non, pas encore, enfin on peut marcher tout simplement. Ou alors c'est une course auto. Alors qu'est-ce que tu nous dis? I'm raising Pokémon 2, when we get strong, they're able to protect me. Quand ils sont forts, ils peuvent me protéger. Technology is incredible. La technologie est incroyable. Maintenant, vous pouvez connecter votre smartphone à votre console de jeu et connecter les données entre elles. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, les amis, on pourra connecter Pokémon Go à la Switch pour avoir un Pokémon fabuleux nommé Meltan en plus et pouvoir faire d'autres petites choses sympathiques. C'est parti, on va dans le laboratoire. Et ces gens, donc lui, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai étudié les Pokémon aux côtés du professeur Shen en tant qu'assistant. Cool ta vie. Et elle, je me souviens que j'ai pas réussi à traduire ce qu'elle a dit, donc on va essayer de pas faire un malaise dans cette vidéo sans lui parler. Et lui, il dit la même chose que lui tout à l'heure. Donc c'est parti, on va parler à lui.
Yeah bro, oh Logan, Professor Oak isn't here. Donc Logan, le professeur Chen n'est pas là. Do you think those Pokéball are the Pokémon you and I are supposed to get? Est-ce que tu supposes que ces Pokéballs sont contiennent les Pokémon que nous allons avoir? Je ne peux pas attendre. Je veux avoir le mien. Donc il est pas là, le professeur Chen. Mais où est-il? Franchement, je sais pas du tout les amis. C'est la première fois que je vois Pokémon en 10 ans. Je me rappelle plus. Non, en vrai, on va juste checker ça avant. Donc, qu'est-ce que tu me dis? Toi, c'est la, t'es la sœur du rival, du coup. Salut, Logan. Tu as vu Lucas? Il te cherchait. Est-ce que tu l'as vu? Enfin, je sais pas trop ce qu'elle dit. He said he's what going. Donc, il a dit qu'il allait au laboratoire du professeur Chen avec toi. Ok, donc ça c'est fait. Sauf que le professeur Chen, ce mec, n'était pas là. Donc, on va le chercher. À votre avis, il est où? Eh ben, il est tout simplement ici. D'ailleurs, on peut voir que la difficulté du jeu a grave baissé, parce qu'avant le professeur Chen on le voyait pas dans l'écran et du coup on savait pas où il était, il fallait chercher par nous-mêmes, alors que là on le voit directement sur la cam même avant de mettre la cinématique. Donc voilà. Well, mais bon Roukoul, merci pour votre aide. Je pense que j'en sais un petit peu plus sur vous. Merci pour ça. Et il se casse. On va faire un petit tristesse, il y a le dialogue. Ah, mais ce n'est pas Logan. Oh, of course. I promise to give you and Lucas your Pokémon today. Didn't he? J'ai promis de te donner aujourd'hui un Pokémon avec Lucas. Well, in that, why don't we head over to? D'accord, je n'ai pas compris. Et là, un Pikachu. Mais what? What is it? Petit Pikachu fort sympathique. Putain, franchement, les voix de Pikachu, elles sont stylées. Bon. Les amis. Oh, you anchor. Oh, you anchor. Je sais pas du tout dire le prétérit du nom encounter. Donc, du verbe plutôt. Donc, en gros, on a rencontré un Pikachu. My, I surely wouldn't have expected Pikachu to appear around here. Je n'avais pas vu qu'un Pikachu était apparu autour d'ici. Les amis, sur ce, nous on doit y aller avec Lucas pour le moment. On doit manger. Oui, j'avais pas le temps d'attendre de manger et de faire la vidéo après. Je voulais jouer avant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger. On se retrouve pour la suite de la vidéo juste après. Donc voilà, c'est parti. À tout de suite les gens. C'est dans 2 secondes pour vous. Allez, c'est parti. Les amis, du coup c'est bon, on a fini de manger. Ça fait 5 minutes que j'ai la musique du combat dans la tête et elle est sublime. Du coup les amis, finalement, comme on peut le voir actuellement, ce Pikachu est une personnalité sympathique parce qu'il est patient. Ça fait à peu près 1 heure qu'il attend, qu'il patiente en attendant sa petite Pokéball. Du coup, on va être sympa avec lui, on va lui la offrir. Du coup, c'est parti, tac, on clique sur A. Donc c'est une opportunité de s'entraîner à capturer des Pokémon. Tu as juste à lancer une Pokéball et à essayer qu'elle atterrisse sur le Pokémon sauvage pour avoir une chance de l'attraper. Donc ça va être un petit peu la complexité la plus complexe, de se calibrer devant le petit téléviseur pour essayer de lancer la Pokéball. Hold your Joy-Con horizontally and point it straight at the screen. C'est fait. With your Joy-Con point it at the screen and press the button. Ah ok, c'est parti. Get ready. Tac. You can throw your Pokéball by waving your Joy-Con. Logique. Et just faites gaffe en gros à ne pas jeter votre Joy-Con et tout casser. C'est parti, on prend le Joy-Con. Et là, c'est un énorme fail. C'est quoi ce fail? En plus je suis deg, j'avais réussi du premier coup dans mon record qui avait fail. Bon bah, tout le monde va se foutre de ma gueule. Un petit peu de respect s'il vous plaît. Même si le respect est mort je pense. C'est parti. C'est comme ça qu'il faut lancer. Mais j'ai lancé comme ça tout à l'heure. C'est comme ça. Ah oui, attends. Oh, mais c'est que le jeune Lucas donne des conseils fort sympathiques. Bon, les amis, on est surexcités là parce qu'on a vraiment le goût d'y jouer à ce jeu. Oh là là, ça fait plaisir. On est des vrais gamins, les amis. Mais on assume totalement. On assume. Laissez-nous rêver un petit peu. C'est sympathique. Donc, nous avons capturé ce petit Pikachu qui est donc patient. Voilà, comme nous avons pu le constater. C'était une belle performance pour la première fois, mon garçon. You didn't pick up, bah tu n'as qu'à prendre la Pokéball et donner un nom à ton Pikachu. Et là, que se passe-t-il? Et oui! Pour ceux qui ne connaissent pas, le jeune Pikachu déteste être dans une petite Pokéball. What in the...
Par contre, c'est complètement chelou un Pokémon qui se balade avec sa Pokéball comme ça. Maintenant, c'est un Pokémon très vivant, comme nous pouvons le voir. Bon, je vais me calmer un petit peu, les amis. Hein, la surexcitation. 10 ans après, les amis, il y a 10 ans, et ben j'étais en train de tryharder sur Pokémon Diamant. Et 10 ans après, ben on tryhard sur Pokémon Let's Go. Écoutez, on change pas les bails en 10 ans. Bon, allez, on va se reconcentrer un petit peu sur le jeu et je vais arrêter de dire de la merde. Hey, what? Come back! Hey, wait, plutôt. Donc, attends, reviens. Je vous traduis, hein. Parce que je suis un grand traducteur dans l'âme. Bon, en vrai, faut que j'arrête de dire des conneries, des amis, parce que la surexcitation, ça joue beaucoup. Allez, on se reconcentre. Professeur Shen. Those Pokéball, I swear, there were only 2 seconds ago, but now there are 3. Il y a 2 secondes, il y avait 2 Pokéball, mais maintenant il en a 3. Ah, c'est une parfaite réaction raisonnable, mon garçon. Tu vois, une d'entre elles contient un Pikachu, que Logan vient juste d'attraper. Donc, attends, Logan, tu l'as attrapé toi-même? Le petit Pikachu. Waouh, j'ai jamais vu ça avant, je sais pas si ça se dit, mais bon. Intéressant. Toujours en anglais, hein. Mon garçon, this is it. Take that Pokéball and keep good. Donc, prends la Pokéball et prends soin d'elle, voilà, un truc comme ça. Donc, que se passe-t-il, les amis, si on prend notre Pokéball? Attention. D'accord, le Pikachu, il est pas content, il veut qu'on prenne lui. Je pense que tu dois essayer de... Enfin, en gros, non, je sais pas ce qu'il dit, mais on doit pas prendre celle-ci. Et là, c'est quoi ça? There are Pokéball in a mysterious machine. Ok, donc, il y a des Pokéball dans une machine mystérieuse. C'est parti, on prend le Pikachu! Allez. Oh, cette cinématique, les potes, elle est trop stylée. Petit screenshot des familles avec le petit Pika. C'est énorme, franchement, ils ont bossé de ouf. Essayons d'avoir un petit aperçu technique de la chose. Franchement, ça rend bien, franchement, c'est stylé de fou. Il y a même pas d'aliasing, c'est abusé, c'est propre, c'est franchement... Enfin, ça va être compliqué d'être subjectif sur le jeu, mais franchement, c'est pure beauté. Pikachu devient votre Pokémon. C'est un Pokémon... quel étrange Pokémon. J'étais sûr qu'il ne voulait pas rester en place. Mais maintenant, il a l'air de s'être attaché à toi, un truc comme ça. Pourquoi ne pas lui donner un nom? C'est parti. Franchement, les amis, Pikachu, je sais pas. C'est Pika, quoi. Enfin, c'est Pika. Je suis pas sûr de vouloir lui donner un nom, donc je vais pas lui donner de nom, petit Pika. Voilà, voilà. On va pas l'appeler brosse à chiottes ou. Oui, on avait fait un délire, enfin, on avait un délire comme ça de nom de Pokémon, une fois. Bon, allez, on va arrêter de dire des bêtises, et c'est parti, on va donc lui laisser ce petit nom fort sympathique de Pikachu. No. Pikachu a été ajouté à votre groupe. Toujours une magnifique petite vidéo. Lucas, donc, tac, professeur, je choisis celui-ci. Lucas a réussi, enfin non, a eu un Evoli de la part du professeur Shen. D'accord, ah j'ai cru que... Du coup je me casse, allez, au revoir les potes, j'ai mon Poké... Oh mais c'est trop énorme, regardez. Vas-y, moi je veux parler à Pika, ça va bro? Pikachu is staring at your face, ok. Oh c'est mon bro, il est trop bien mon bro petit Pika. Bon, je vais arrêter de m'enjailler dessus, ah je suis vraiment les amis mais... Enfin, ça fait 6 fois que je le dis, mais je suis un gamin sur ce jeu, les amis. Même, je suis d'ailleurs tout le temps un gamin dans la vraie vie. Enfin, si, ça m'arrive parfois d'être sérieux, hein, vous savez. Mais franchement, ça fait plaisir de se retrouver sur le jeu. Bon, du coup, merci pour ce Pokémon. Je vous dis pas au revoir. Allez, salut. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh, juste une chose. Maintenant, tu as accès aux paramètres de dresseur. Je veux te poser... Enfin, je... Attendez... j'ai besoin de ton aide à propos de quelque chose. Voilà, je vais réussir à parler. Take this, donc prends ça pour ton voyage. Petit cinématique. Alors, qu'est-ce que c'est? What is that thing, professor? Quelle est cette chose, professeur? This is the Pokédex that I've designed. C'est le Pokédex que j'écris. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon que vous attrapez et que vous voyez. Je ne sais pas la suite. C'est extrêmement
haute technologie. C'est un objet de haute technologie. Voilà, je vais y arriver. Logan et Lucas, I want to you to each to take one. Je veux que vous en preniez un avec vous. Ah, ça fait plaisir en plus l'anglais, là, ça me traîne l'anglais, c'est grave pratique. Vous avez le Pokédex donné par le professeur Shen vous donne le Pokédex. You'll find you can't get very detailed data on your Pokémon by just. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas avoir de données précises juste en voyant un Pokémon. Vous devez l'attraper pour avoir pour compléter les données. Pour créer un guide complet sur tous les Pokémon du monde, c'est mon rêve. Mais dommage, je suis un vieux monsieur, trop vieux pour faire ce job. Moi-même, d'ailleurs. C'est pourquoi je demande à des dresseurs de compléter mon rêve. Voilà, c'est ça. Get moving, you two. This is a great undertaking in Pokémon history. Yes, c'est un grand pas dans l'histoire Pokémon, un truc comme ça. Le Pokédex. We gonna meet so many. Nous allons rencontrer tellement de Pokémon. Ça va être de mieux en mieux. Allez, I'm setting out right now. Logan should do the same. Allez, c'est parti. Fais la même chose, Logan. Si tu penses que t'es prêt, vas-y. Alors là, les amis, coup de gueule. Clairement coup de gueule. Franchement, je suis un peu dégoûté là. Parce que moi, je m'attendais à un combat. Le combat, ah j'ai un peu le seum là, franchement il est en travers de ma gorge là, le combat là. Ah, apparemment, le jeu Lucas, bah il va y avoir le combat apparemment, on ne sait pas quand. Mais du coup, le combat n'est pas dans le laboratoire comme à l'origine, il me semble. Peut-être que je me trompe. Mais si, tu verras. D'accord, on verra ça, je vais me remettre en question, donc on verra ça. Plus tard, on en reparlera en temps voulu. Oh, tout mignon. C'est celui qui t'a donné le professeur? What? Enfin, quoi? Tu l'as attrapé toi-même? C'est énorme! What should I call? Comment as-tu appelé ton ami? Pikachu! C'est un Pokémon adorable! Pika Pika! Ah, il est tellement énergétique! Je suppose que vous êtes prêt à partir à l'aventure aujourd'hui, non? On galère pas du tout. J'y arrive pas à traduire. Vous avez la carte from mom, enfin vous avez la carte de votre mère en gros. Vous mettez la carte de la ville, enfin town map in your bag. En utilisant la town map dans ton sac. Vous pouvez savoir tout le temps où vous situez. Avoir un voyage sûr. Je vais pas y arriver, les amis. Attendez, je vais me reconcentrer. Pour avoir un voyage sûr, toi et ton Pikachu. Voilà. Et elle se casse. Le combat. Moi, je veux voir le combat. Bon. Allez, on va se remettre un petit peu dans le bain. Je suis trop excité, franchement, les amis. Il faut que je me calme un peu. Ah, ça, par contre, je trouve ça vraiment stylé de rencontrer les Pokémon sauvages. Oh, cette musique, les amis. Un bonheur. Juste, alors, est-ce que je vais faire un deuxième micro coup de gueule ou pas? Est-ce qu'on peut rencontrer des Pokémon sauvages dans les herbes comme ça? Ou on peut que les rencontrer comme on vient de les rencontrer? Est-ce que tu le sais, toi, ou pas? A priori. Et ben du coup j'ai un peu le seum, on peut pas genre avoir un petit quand même les farmer dans les arbres comme ça, c'est la tristesse. Du coup ben, on va aller botter du cul de Rattata. Ah c'est tellement stylé. Ah par contre il me semble qu'on peut plus les frapper. Ah mais oui, pour gagner de l'XP. What? 50 Pokéball. Oh, j'étais pas prêt les amis. Ah oui c'est vrai que le système a changé, j'avais oublié, on ne peut plus les déboîter, on est obligé de les capturer, oui. Ce jeu ne contient plus de violence. Alors attention, et là. Pfiou. D'accord, le rond était trop élevé. Va-t-on capturer? Yes! Nous avons capturé notre premier Rattata, les amis, c'était de toute beauté. Du coup, ce qu'on va faire... D'accord, le petit Pikachu a gagné de l'XP, c'est fort sympathique. Nickel, la petite animation. Oh, franchement, très propre l'animation du Pokédex. Ah, c'est vraiment stylé. Du coup, on a un Rattata et un Pika, mais ça, on verra plus tard. Oula, par contre, on va essayer de pas tous les faire. Merci.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller là-haut, il me semble. Alors, si c'est comme dans Pokémon Jaune, il me semble qu'il faut aller à Argenta, récupérer le colis et le ramener au professeur, un truc comme ça. Ah, ouais, il a trouvé un truc, Pika. Pika, Pika. Pikachu a trouvé quelque chose dans les plantes. You got a raspberry from Pikachu. You put the raspberry in your coaching pocket. T'as vu l'accent de qualité? Donc, ça, ça m'a l'air d'être un combat. Absolument pas. Donc, nous allons continuer vers Viridian City. Alors, c'est Argenta Viridian. Ah non, c'est Jadiel plutôt. D'accord, je n'ai pas fait exprès. Ah, mais oui! D'accord, donc en fait, le jeu se joue qu'avec une seule manette. Bon, bah, vous savez quoi? Tiens, Lucas, prends le deuxième joueur. Nous allons jouer à deux. Oula. Le jeune Lucas qui est à côté, on tryhardera après ensemble. Par contre, ça, c'est dommage qu'il peut se barrer de la cam. Viens, attends, on va. Wesh, ils font quoi, eux? Attends, viens, on va au centre Pokémon. Juste, je veux checker. C'est marrant qu'ils puissent se balader. C'est mon Rattata. C'est son Rattata. Putain, il est beau, le centre Pokémon. Il est tellement beau. De tout. Par contre, on a perdu Lucas, du coup. Rip Lucas. D'accord. Ah, ça, par contre, gros coup de gueule, ça. Regardez, ça, franchement, c'est pas ouf. Hein. Ça. Ils auraient peut-être pu mettre des collisions quand même, hein, parce que bonjour, je suis raid féminin à moitié. Voilà. Oui, mais franchement, vraiment truc méga dommage. Je crois que le joueur 2 il sert à rien en fait. Je peux pas interagir. Ouais, on peut pas interagir, il sert juste à aider pendant les combats. Donc voilà. On va aller se faire un petit combat après. Viridian City, donc c'est Jadiel. Ici c'est Argenta, je crois. Non, ça c'est la forêt de Jade. Et ça c'est Argenta, je crois. Bon, on verra plus tard. Juste petite question, est-ce qu'on en est à. Enfin, il est dans longtemps le combat de rival. Et il est dans la boutique le colis. Oui. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, les amis, et on se laissera après. Parce que je ne veux pas faire un let's play sur le jeu, c'est juste la découverte. Ah, d'accord. Ils ont clairement mis un pélo. Ouais, je t'ai trouvé quoi, mon pote? Lui, c'est mon petit pote, les gars. Je vous le présente, c'est Pika. D'ailleurs, c'est un mâle, comme vous pouvez le voir à sa queue, qui n'est pas en forme de cœur. Il a trouvé quelque chose dans le lit de fleurs. You got a pretty wing from Pikachu. Je suis pas encore habitué aux objets en anglais, donc on verra ça plus tard. Et on va parler à ce mec-là. D'accord, d'accord. Le gars se barre comme ça. Logique. Hey, you came up, tu viens du Bourg-Palette? Tu dois savoir qui est. Enfin, tu connais le professeur Shen, non? J'ai un colis pour lui. J'ai vraiment pas le temps de quitter la boutique pour aller lui donner maintenant. Tu peux me le prendre pour le donner à Professeur Shen pour moi, stop. You took the parcel from the Pokémon clerk. You put in the bag. Merci, gamin. Dis-lui bonjour de ma part. Voilà. Tac. Et du coup, je veux juste attendre. Do you want to head straight back to the lab? Donc ça c'est pour TP, non? Franchement, c'est dommage, le jeu est devenu vraiment méga trop facile un petit peu, non? Non, je veux clairement pas y aller, parce que ça serait utile. Juste avant les amis, est-ce que c'est la musique de la boutique que j'aime? Attention. Ah, j'ai trop le seum. Ah, j'ai trop le seum, c'est la même musique que le centre Pokémon. J'aurais bien aimé avoir le... Et ça aurait été stylé de ouf, mais ça, franchement, les amis, c'est dommage. Franchement, ce jeu est abusé. Il y a 2-3 petits trucs pas ouf. On essaye d'être un peu objectif, mais franchement, c'est quand même très, très énorme jeu. Franchement, pur kiff, comme vous pouvez l'entendre depuis le début du jeu. Juste 2-3 petits trucs un petit peu dommage, mais bon, ça gêne pas grand chose. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au centre Pokémon, enfin au labo. Donc bien entendu les amis, aujourd'hui on se fait pas une, enfin on fait pas de l'histoire du jeu entre guillemets, juste le commencement. C'est juste la découverte pour ceux qui ont envie de découvrir détente sur la petite série Switch Discovery. Sur la gauche, qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs? Il est où mon pote? Ah, il a carrément despawn. Ça reste complexe. Et secoue ta manette pour voir. Ah bah il revient. D'accord, bah il est revenu mais il a despawn. Vas-y, secoue. Attends, viens, on va tester un combat en deux. Alors, comment est-ce que ça marche, les combats de joueurs? Attention, on se met en mode capture. Ça va être d'une complexité. Attendez, excusez-moi, je pousse un petit peu le micro. Comme ça. Alors, faut cliquer sur Get Ready. Donc, hop, moi, c'est bon. Clique sur une des flèches, je sais pas laquelle. Celle de droite, je pense. Et là, faut faire lever. T'es prêt? À 3, on y va.
1, 2. Oh, c'était stylé. Petite capture. Ouais, c'est comme Pokémon Go. Et nous avons capturé un petit Roukoul, parce que Roukoul c'est la base, hein. Ouais. D'ailleurs, je vais le renommer, vous allez voir. Donc on a gagné de l'XP, du coup il a level up notre petit Pika. Pikachu Grey to level 6. Pikachu learn quick attack. Oh, nice, quick attack, c'est vive attack, c'est pas mal. Du coup, le petit Pokédex. Pidgey data will be added to the Pokédex. Ok. Est-ce que je peux le renommer, non, peut-être? D'accord, clairement je peux pas le renommer, je me suis fait douiller. Ou peut-être que j'ai trop farmé, enfin j'ai trop. On peut pas le renommer ? Genre dans le menu partie PJ. Change name. D'accord. Encore un coup de gueule les amis. On ne peut pas renommer, franchement. Il y a quelques trucs dommages, enfin je vais pas faire le gros puriste des anciens Pokémon parce que je sais très bien les amis que c'est une version alternative, donc franchement je ne vais pas dire du mal, c'est très sympa, on aime le changement. Mais comme on peut le constater, dans les anciennes versions, on pouvait directement renommer notre Pokémon et après on pouvait aller voir le renommeur de capacité. Donc moi je vais le renommer exactement comme je l'avais appelé mon Roukoul à l'époque sur la version jaune, voilà. Tac, et nickel. Et d'ailleurs, move Pokémon, mince, tac, on va le mettre ici. Nickel. Ah, franchement, le menu, les amis, il est de qualité. Il n'y a rien à redire, le jeu est beau et tout. Voilà. Le jeu, comme je vous le disais, s'écarte un petit peu de Pokémon de base, mais le changement, ça fait pas de mal des fois. Donc on ne va pas non plus cracher dessus comme je l'ai fait un petit peu il y a quelques secondes. Voilà, on ne va pas cracher dessus, c'est quand même très cool. Du coup, comme tu me le disais, ah oui, je me rappelle plus si le combat, si peut-être bien que le combat était là dans la version jaune ou juste avant. Bon, je me rappelle plus, ça date trop. Vas-y, prends ton Pokémon. Mais franchement, ça, c'est un petit peu dommage qu'on peut pas interagir avec le joueur 2, mais c'est pas grave. Donc, salut mon pote. Enfin, professeur plutôt. Un petit peu de respect envers les vieilles personnes. Quoi, Logan, tu reviens déjà? Ah, ton... Qu'est-ce que fait ton petit Pikachu? Tellement stylé. Beaucoup trop stylé. Vas-y, fais un screen. Vas-y, fais voir. Ah bah, trop tard, bon, c'est pas grave. Vas-y, cette touche au pire. C'est pas grave, le petit screen. Ou vas-y, envoie, attends, je fais un petit screen, là. Goodness me, yeah, Pikachu, il a l'air de vraiment t'aimer. Merde, il a l'air de vraiment vouloir devenir un bon partenaire avec toi, Logan. Je pense que vous allez devenir, tu vas devenir un grand dresseur de Pokémon. What, that's, you have something for me, tu as quelque chose pour moi. Donc tu donnes le truc au professeur. Ah, c'est ma commande est arrivée, merci de me l'avoir amené en gros. Hey professeur, salut professeur, c'est à propos de mon Evoli, ses mouvements. Oh Logan, that's cool, that's so cool. Pikachu, that's right on you like that. Oh, donc Pikachu est avec toi comme ça. And now we have Lucas as well. What fine timing. Donc maintenant nous avons Lucas, c'est un timing parfait. I've just been delivering some very handy items, which I think I'll share with the two of you. Donc, je viens juste de récupérer des items, des choses, quoi, enfin des objets, et je voulais vous les partager avec vous. Vous avez eu des raspberries de la part de Professeur Oak. Ok, tu les mets dans un truc. Great, I've been starving. Merci, je mourrais de faim. I'll stop you right there. So, those berries are for Pokémon to eat, not you. C'est pour les Pokémon, c'est pas pour toi. Quand tu veux... Ah mais oui, c'est vrai que comme dans Pokémon Go, les trucs là, ça te permet de capturer plus facilement. Quand tu veux capturer un Pokémon, tu lances une de ces baies avant de lancer ta Pokéball et ça te permet d'avoir plus de chance en gros. Bon, là, je résume. En gros, ça rend le Pokémon content et t'as plus de chance là, de l'attraper. Ah, dommage. Ok, bon, j'ai pas compris. Now, then, you two. It's up to decide if you want to catch lot of different Pokémon or simply focus on training up your favorites. My only request is that you have fun every way. Ma seule requête, c'est que vous avez du fun où que vous allez. D'accord. Notre ami Lucas revient. Nous allons donc nous barrer et du coup, c'est là qu'est le combat ? Apparemment. C'est parti, on fait ce combat et on s'arrête là-dessus les amis, je vous propose de faire ça. On se casse. Wait up !
Come on, Logan. You do know you can do more with Pokémon. Viens ici, Logan. Tu sais que tu peux faire plus avec ton Pokémon. Juste les attraper, non? Si tu es un dresseur, tu peux avoir des combats de Pokémon avec d'autres dresseurs. Je te montre exactement ce que je pense. C'est parti. C'est le temps de combattre. Enfin, c'est il est temps de combattre. Bon, j'arrête de manger sur la musique. Ah, du coup, c'est complètement overcheat. Le jeune Lucas va m'aider et on va le boiter en 2v1. Ah bah, c'est plus que 7v1. Vous êtes challengé par le dresseur Pokémon Lucas. Vous êtes défié plutôt. Lucas envoie Evoli. Beau gosse. Vas-y Pikachu. Vas-y Ruka. En fait, on va lui péter la gueule à Evoli. Fight. Ok. Thundershock, c'est quoi? C'est éclair ça? C'est parti. Et toi, tu vas jouer quoi du coup? Take all. C'est écrase face, je crois, ou un truc. Ou charge, tout simple, charge. Mais franchement, c'est méga cheat par contre. Et use take all. Par contre, franchement, il me semble que dans les anciennes versions, il avait pas une attaque électrique directe, Pikachu. C'est parti. Ça, c'est jet de sable. C'est pas ouf, je crois. Bah c'est jet de sable. Take all. Thundershock. C'est choc éclair je crois, ou éclair ou boule élec ou je ne sais pas. Un truc en élec. Dac, une petite charge. Ouais éclair. Et là, il est mort. Le Evoli ennemi est KO. Pikachu a gagné 32 XP et Ruka. Pikachu Great Level 7, yeah. Nickel. Franchement, la user interface, enfin l'interface utilisateur est très stylée. Enfin tout ce qui est les boutons, les menus, c'est méga trop stylé. What? Pourquoi j'ai perdu? C'est quoi cette tête, mon gars? Par contre, t'as vu, il ratata gagné de l'XP. Il a dual multi-X. Ah, j'ai pas vu. Franchement, j'ai pas vu, mais. Encore une fois, c'est méga trop facile. Ça serait bien qu'ils mettent un mode expert, en vrai. Peut-être qu'ils le feront, je sais pas, avec un DLC, comme dans Zelda. Vous avez gagné 120 Pokédollars pour votre victoire. Oh, jeez. I want moving off like I knew everything. Ok, pas trop compris. Donc, je sais tout. Maintenant que j'ai perdu, c'est embarrassant. Je dois probablement entraîner mon Pokémon avant de combattre à nouveau. On se combat plus tard. On se recombattra plus tard. Alors, est-ce que tu as aimé ton premier combat, Logan? Ton partenaire Pikachu a l'air de l'avoir aimé. Et du coup, c'est ce qui va conclure cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous aura plu, de la découverte, de la gaminerie, de la n'importe quoi-rie sur la découverte de Pokémon Let's Go Pikachu. J'espère que vous aurez apprécié tout autant que moi. Et franchement, les amis, enfin, je ne veux pas faire de let's play, c'est pour ça que Switch Discovery est là. D'ailleurs, que fait le jeune Lucas autour du professeur Chen? Donc, je vais pas faire de let's play, bien entendu. C'était juste que j'avais envie de partager ma découverte avec vous. Et du coup, moi, après cette vidéo, je vais continuer de tryhard un petit peu, hein. Et franchement, j'ai beaucoup chassé des shiny dans les anciennes versions. Et je vais faire la même, hein, sur cette version. Et on fera aussi des épisodes de Switch Discovery où on farmera du shiny. Petit bilan, les amis. Jeu très magnifique. Vraiment sublime, de ouf. Franchement, vraiment cool. Le jeu normal, c'est normal, il l'avait dit, il s'écarte légèrement des Pokémon de base, le système de capture, le jeu est beaucoup plus facile. Ça c'est un petit peu dommage, ça aurait été bien d'avoir un réglage qui permet de mettre le jeu en mode beaucoup plus dur, comme dans les vieux. Mais franchement, bilan complètement positif, franchement ça fait 2 ans que j'attends le jeu, je pouvais pas être déçu au bout de 2 ans, c'est un truc de malade, énorme. Franchement, je suis vraiment content. Du coup voilà, c'est sur ces paroles qu'on va se laisser, les amis. J'espère que que cette vidéo vous aura plu. On a testé en plus, c'est vraiment cool que le jeune Lucas venir un petit peu dans cette vidéo pour tester le mode de joueur. Comme ça on a pu le découvrir ensemble. Et puis voilà. Sur ce les amis, je vous laisse. Et moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez ciao ciao tout le monde, c'était Cubix. Allez ciao.